Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de swimrunner et plus particulièrement ma préparation pour le défi Agrippa. Le défi Agrippa, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ça, en fait, ça consiste en une traversée de la France du nord au sud en courant, 30 jours de course, 60 km par jour et puis pour rajouter un petit peu de difficulté, je vais rajouter aussi un peu de la nage tous les jours. L'objectif de ce défi, en dehors de l'aspect sportif, c'est aussi de soutenir deux causes. La première, c'est Imagine for Margot qui lève des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants et la deuxième, c'est une association qui lutte pour l'environnement. Voilà, pour soutenir le projet, rien de plus simple, patreon.com/hermano. Et puis, si vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager et en parler au plus grand nombre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous emmène avec moi en parcourir. Ciao. Salut les sportifs, nous sommes jeudi matin. Deuxième session de la journée. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la piscine de la Coque à Luxembourg. Je viens de partir après une session de 3000 mètres, deux fois. En fait, le plan, c'était une heure, deux fois 30 minutes non-stop. Ça correspond à mon niveau actuel à deux fois 1500. Donc c'était 1500 nage libre et 1500 avec pull buoy. Ah, j'étais tellement mieux sur le pull buoy. Mes jambes sont lourdes en ce moment. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais aller m'amuser sur un petit 10 km avant d'aller me reposer à la maison avec un temps toujours aussi dégueulasse, mais c'est pas grave, cette fois-ci j'ai mis les Five Fingers Spiridon qui vont pouvoir me permettre de bien accrocher à la route, donc je vous emmène avec moi, on va aller en forêt de Kirchberg, c'est parti! Allez, la deuxième session du jour est terminée, ce qui clôture l'entraînement de la journée. 10 km, parcours libre, allure libre. Je vous avais dit que je partirais en forêt de Kirchberg, au nord de Luxembourg, pour ceux qui connaissent. Et bien finalement, comme la semaine dernière, enfin un peu plus loin, mais comme la semaine dernière, j'ai rebroussé chemin tout simplement parce que il fait tellement froid que c'est gelé par terre et c'est pas salé puisque c'est un chemin privé de forêt. J'ai failli me casser la figure déjà en montant et je me suis dit que quand il allait falloir redescendre ça allait être trop casse-gueule, donc j'ai rebroussé chemin et j'ai fait un petit tour plutôt sur sur du DFCI, sur du chemin de petites pierres de sable. Voilà, donc au final c'est pas véritablement vallonné mais c'est des petits coups de cul. Ça me fait un 10 km et demi en 51 minutes. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas couru aussi vite parce que d'habitude je cours plutôt en endurance. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite à vous une très bonne journée, de très bons entraînements et on se donne rendez-vous demain. Demain je ne serai pas seul et ce sera du long encore une fois. Salut les sportifs. Et voilà, la vidéo du jour est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en haut si elle vous a plu ou vers le bas si ça ne vous a pas plu, mais de laisser aussi un petit commentaire là en bas, ça se passe en bas de la vidéo. Je vous mets un lien ici, ici, ici ou là, enfin quelque part autour pour vous abonner à la playlist et pour vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et puis surtout si vous voulez me soutenir et soutenir le projet Agrippa et Imagine for Margot qui est une association qui lutte pour la recherche contre le cancer des enfants, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/hermano, comme mon prénom, E-R-M-A-2-N-O. Je vous y attends, vous pouvez soutenir le projet à partir de 1 euro par mois. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très, 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 très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain entraînement. Salut sportifs!